Tu sais pourquoi tu n'avances pas dans ta vie? Parce qu'en fait, il y a deux choses que tu peux regarder chaque jour. La première chose que tu peux regarder, c'est ta destination. C'est là où tu as envie d'arriver. C'est le chemin que tu dois parcourir. C'est la finalité que tu veux atteindre. Et puis la deuxième chose que tu peux regarder, ce sont tes obstacles actuels, tes difficultés, tes limitations. Tout ce qui joue contre toi, tout ce que tu n'as pas, que tu aurais aimé avoir, tout ce que tu aurais dû être que tu n'es pas, ou le support que tu aurais aimé avoir que tu n'as pas. Et en fait, chaque jour, tu dois regarder l'un des deux. Est-ce que tu regardes tes difficultés ou est-ce que tu regardes ta destination? Malheureusement, si tu n'as personne pour t'accompagner, tu vas passer tout ton temps à regarder à tes difficultés. Quand tu vas essayer de faire un pas et que tu ne bougeras pas, tu ne vas pas regarder la destination, tu vas regarder tes difficultés. Et si tu passes ton temps à regarder tes difficultés, ta vie ne va jamais avancer. C'est pourquoi souvent, il est nécessaire de s'approcher d'autres personnes, d'avoir le soutien d'autres personnes. Pas parce que tu n'es pas suffisamment intelligent, pas parce que tu n'es pas suffisamment fort, pas parce que tu n'es pas suffisamment compétent. Pour y arriver tout seul, c'est parce que tout seul, tu risques de regarder à tes difficultés plutôt qu'à ta destination. Alors que lorsque tu te fais accompagner, la personne qui t'accompagne va passer tout son temps à te défocus, à te détourner, à tourner ton regard, pas vers tes difficultés, mais plutôt vers ta destination. Et si tu commences à regarder vers la destination, tu vas y arriver. Bon courage.